Bye chouchou. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui il pleut encore. On est très contente parce que du coup l'herbe va pousser. Mais on n'a plus trop l'habitude. Alors voilà. On fait des tests d'alarme de poulinage avec Pierre. Donc en fait Aurine, sur son licol, elle a un boîtier. Quand la jument est debout, elle a la tête normale, et ben le boîtier ne bouge pas. Et par contre, dès qu'elle reste couchée, ça tourne le boîtier. Et si elle reste couchée plus que 10 secondes, je crois, et ben ça nous appelle sur nos téléphones. Voilà, ça ressemble à ça, le boîtier. Donc, c'est accroché sous le licol. Comme ça, où il y a le truc. Et dès qu'elle se tourne, hop, c'est censé déclencher le boîtier. Mais pour l'instant, ça déclenche pas grand-chose, apparemment. En fait, ça nous appelle sur nos portables, donc si c'est en pleine nuit, au moins ça nous réveille et ça permet d'aller voir si elle fait juste dodo ou si elle fait son bébé. Tu vas le faire quand ton bébé, toi? Oh, ma poulette. Alors, on mange des frites. On mange quoi? On mange des frites. Aujourd'hui, on mange des frites. Et comme il fait un temps, et ben du coup, on n'est pas très courageuse. Donc, on mange des frites. Donc, du coup, on mange. C'est surtout que ça fait quand même 2 mois qu'on n'en a pas mangé. Bah oui, pas de concours. Les bonnes frites. On était en manque. On était en manque. Voilà. D'habitude, on mange ça tous les dimanches. Et du coup, peut-être on ira dehors tout à l'heure. Peut-être. On sait pas. On verra. On a un peu de compta à faire. Même beaucoup. Oui, donc, on a beaucoup de compta à faire. Ça, c'est clair que oui. Ouais. Comme il pleut, on fait une activité d'intérieur. Et Liv, elle s'attaque à la peinture. Vous remarquez qu'elle le fait super bien. Et voilà. Regardez. Ouais, c'est très joli. Ah, on dort, on dort. Maintenant, je porte tes mains. C'est lourd? Non. Ça fait celui de café. Ah, c'est lourd. Oh, Is. Oh, j'ai des biscottos. Et là, tu lui dis, c'est lourd? Non. Et ils ne sont plus sauvages, ces petits bébés. Ça va, Iron? Coucou. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire? C'est sauvage. Ça, c'est Monsieur Câlin. Monsieur Câlin. C'est Eden, c'est Monsieur Câlin. Enfin, il n'a pas l'air très content. Ça, c'est Italique, le plus grand. Doucement, voilà. Ça, c'est Idéal. Ouais, Idéal. Petit bichon. Coucou, mon petit bébé. Et là-bas, quand je vous ai dit qu'ils étaient plus sauvages, je mentais. Il en reste un seul. Enfin bon, il arrive quand même. Liv, regarde, essaie de le caresser. Doucement, doucement. Ouais, c'est Imagine. Et c'est la première fois qu'il vient comme ça, je crois bien. La compta. La compta. La compta, c'est la vie. Bonsoir. Bon, on n'a pas été très très studieux sur les vidéos cette semaine. Non. Mais on vous en prépare une. Ah oui, oui. Pas mal. Oui, oui. Et oui, oui. Du coup, pour qu'elle se fasse, on a besoin que le soleil revienne. Oui. Donc, pour là, mardi. Voilà, d'où ma petite danse du soleil. Qu'on va vous montrer juste après. Voilà. On aimerait que vous vous filmiez et que vous nous fassiez une danse du soleil. Soleil. On a besoin que vous nous fassiez une danse du soleil. Voilà, voilà. Parce que là, vous ne pouvez pas voir. Là. La danse de la... On voit ce qui tombe là. Mais ça tombe beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, c'est bien, il en fallait de l'eau. Hein. Ça va faire pousser l'herbe et tout. Mais s'il n'y a pas de soleil, ça poussera moins bien quand même. Donc la danse de la pluie a fonctionné. Donc, on est sûr que si tout le monde s'y met, on va récupérer un petit peu de soleil. Voilà. Voilà. Bon, eh bien... À mardi. À mardi. Et aussi, on voulait quand même répondre à la petite question que Liv vous avait posée sur pourquoi est-ce qu'on graisse les pieds des chevaux. Et bah, tout simplement pour hydrater et rendre la corne un petit peu plus souple. Voilà. Parce que le pied, c'est important. On dit pas de pied, pas de cheval. Parce que le pied, il a un rôle primordial. Primordial, d'accord. Donc, il faut en prendre soin. Allez. À mardi. Bon week-end. À mardi. I don't wanna fight.